c'est pas pour moi c'est pas un match compliqué à préparer parce que vu les images que l'on a vues et vu ce qu'on a montré aux joueurs et vu ce que si on n'est pas nous au niveau qu'on doit être contre eux ça va être compliqué. Donc je sais j'ai pas vraiment de soucis par rapport à eux parce que on respecte toutes les équipes. Mais les effectifs comme ils ont eux, en récupérant en plus peut-être certains blessés, puisqu'ils récupèrent Piri, je crois, qui était l'un de leurs meilleurs joueurs et leur capitaine. Ils ont récupéré Pierrot devant, ils ont doublé tous les postes. Non, franchement, c'est un très bel effectif. Après, nous, on a notre carte à jouer et on la jouera pour essayer de les battre, bien sûr. Mais dans l'aspect motivationnel, moi, je sais que mon effectif, il sera, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si on veut aujourd'hui atteindre certains objectifs, il faudra que ces joueurs, notamment dans l'aspect offensif, soient performants. On arrive à mettre des choses en place, on arrive à mettre des équipes en difficulté, mais dans le dernier geste ou dans la finition, il faut être encore plus performant. Mais ça fait partie d'un objectif que l'on a depuis le début de l'année, et notamment maintenant encore plus qui va se vérifier sur les prochains matchs. À domicile, il est vrai qu'on n'a pas perdu pendant un moment. On a eu un coup d'arrêt contre Nancy. Et oui, si on pouvait refaire une série à domicile positive, parce que ça a été quand même, par rapport même à l'année dernière où on avait perdu pas mal de matchs à domicile, là on avait enchaîné beaucoup de matchs positifs. Si on pouvait repartir sur une série, ça serait, je pense, intéressant. Oui. Aujourd'hui, une saison fait partie de suspensions, de blessures. Et malgré tout, on n'a pas été très impacté depuis 30 matchs par rapport à ça. Donc, il y a une confiance qui est faite à tout le monde. Et c'est surtout un collectif et c'est surtout tout ce que les joueurs, de façon individuelle et collective, vont mettre en place pour pouvoir gagner les matchs. Après, de dire, oui, on a travaillé, ils connaissent largement aujourd'hui, encore on l'a travaillé hier, ce qu'on veut mettre en place, notamment certains cheminements. Donc voilà, c'est surtout l'investissement de chacun et l'investissement collectif qui fera la différence.